On y va. Twende. Troisième catégorie. Mtindo wa tatu. Moment d'intimité. Intimité kuwa pamoja. Wakati wa kuwa pamoja. Il y a des gens, kuna watu qui aiment que wapendao kwamba vous ayez le temps de communiquer, muwe na muda wa kuongea, et le temps de communier ensemble, na muda wa kufanya ushirika pamoja. Ils veulent que vous soyez avec eux. Wanataka kwamba muwe na muda wa kuwa pamoja. Et la plupart de nos enfants grandissent en manquant ça. Na watoto wengi wanakomaa na hawakupata hii. J'ai étudié l'Afrique. Mimi nilisoma Afrika. Pas aux études, mais dans mes petites recherches. Siku masomo, bali katika utafiti niliofanya. J'ai trouvé que nous avons un grand retard ici. Nilikuta kwamba tumechelewa sana hapa. C'est rare qu'un parent africain touche un enfant qui a déjà grandi. Inakuwa kama rahaba baba mu Afrika atwaye mtoto ambaye amekomaa kidogo. Le mettre à côté de lui. Amweke karibu yake. Et tapoter lui dire petit. Ampapase na kumwambia mwanangu. Nishinda ye. Comment tu as passé la journée? Tunabitia katuku bazungu. C'est vrai. Nous pensons que ça concerne le blanc. Pour nous quand les enfants déjà grandi. Kwa ninyi mliokwisha koma. C'est tout banajidebrie sa bitoto bya nyoka. Oh, il se débrouille comme le petit du serpent. Oui. Nous manquons cette intimité. Tunakosa ile ushirika. Nous manquons cette intimité. Tunakosa ile muda wa maongezi. D'être ensemble avec nos enfants. Ya kuwa pamoja na watoto wetu. Et des fois les enfants manquent l'affection des parents. Na mara watoto wanakosa ile upendo wa kushughulikiwa na wazazi. Même vous les hommes. Hata ninyi waume. Vous manquez ce temps de vous asseoir. Munakosa muda ule wa kukaa avec vos épouses. Na wake zenu. Vous êtes tellement occupé, mumeshughulishwa sana. Vous arrivez au lit, vous dormez chacun de sa façon. Unapofika kitandani kila mtu analala ngambo yake. C'est rare de trouver un homme ou une femme qui se comporte comme ça. Ni marahaba ukute mume ambaye anajitweka hivi na mke wake. C'est rare de trouver un homme ou une femme qui s'asseye pour parler des problèmes de leur foyer. Mara ni vigumu ukute mume ambaye ameketi na mke kwa mazungumzo. C'est rare de trouver un homme ou une femme qui sont quelque part deux en train de se parler. Qu'est-ce qui ne va pas? On fait quoi? On fait quoi? Jamais. Ni marahaba ukute mume ambaye ameketi na mke nafasi ya siri ili waongee namna ya kufanya maisha. Hakiko tena. Tu viens? Unakuja. Tu manges? Unakula. Tu te laves? Unakoga. Tu dors? Unalala. Le matin? Asubuhi. Tu te laves? Unakoga. Tu pars? Unaenda. La femme te parle à 5h30, chérie, j'ai à te parler. Mke wako anakuambia saa 11 asubuhi, mume wangu nahitaji nikuongeleshe. Acha kunisumbua. Ne m'embrouille pas. Demain. Kesho. Niko na bia kukuambia lakini bwana. J'ai à te parler mon mari. Acha kunisumbua. Ne m'embête pas. Et c'est la vie. Inakuwa maisha ya kila siku. Vous avez des filles ici. Muna wabinti hapa. Et les ont 12 ans. Wamefikia 13 ans. Certaines d'entre vous ne les ont jamais parlé du danger de comment elles doivent gérer leur situation de chaque mois. Kuna wamama ambao hawajaongeaka na wabinti wao wa miaka 13 14 kuelezea namna wanaweza wakafike katika tarehe zao za mwezi. Chame kamwe elle se débrouille là. Wao wanajitahidi tu huko jusqu'au mariage. Hadi watakapoolewa. Vous êtes ici. Si mnaikala hapa. La fille commence d'aller demander des conseils aux mamans voisines. Binti anaanza enda omba mashauri kwa jirani. C'est comme ça que certaines d'entre vous ont été détruites quand on leur avait dit qu'il faut goûter un homme avant le mariage. Ni vile wa binti wengi waliharibika wakati wale wa mama wenye wivu anapomwomba mashauri anasema upime kwanza kidogo ndio utaweza kabunyumba eh. Et c'est comme ça que beaucoup de filles sont détruites. Nani hivyo wabinti wengi waliharibika. Vous n'avez pas le temps avec vos enfants. Hamuna muda wa kushughulikia watoto wenu. Vous n'avez pas le temps avec vos épouses. Hamuna muda wa kuongea na wake zenu. Mais si c'est une personne qui a cette soif là. Sasa kama ni mtu ambaye ana ile kiu. Vous ne lui offrez pas ce type d'amour. Haumuonyeshe ile mtindo ya upendo. Elle vivra une vie de déception. Atakuwa naishi maisha ya huzuni huzuni. Regardez bien ces images. L'époux qui aime bien parler avec sa femme, mais dont l'épouse ne veut pas parler, vous n'avez pas cette intimité.
ushirika. Vous n'avez pas cette intimité comme les autres. Ile muda ya kuongea na mwenzako. Dès qu'il va trouver quelqu'un, quelqu'un, ou qu'il va trouver un autre monsieur qui est bien formé dans ça. Akutane na mwenye alifundishwa hayo. Anakukula bibi. Ndio. Anamudevie. Mie bana nambiaka bana nipendaka na bwanangu na hapendake ni mujongeye. Na wengine babwana bana pendaka bani guse bina kwa bata mushitula. Ndio. C'est vrai? Uko na katala gusa kundevu za bwana yako. Baraka kisikokota defu na iko namwambia bo maneno babutamu. Amen. Hata mushitula roho. Ndio. Cheza na maisha wewe. Il y a des femmes qui n'ont jamais touché même les manteaux de leurs époux pendant 50 ans. Kuna wake ambao wameoana miaka 15 hajagusa hata kidevu cha mumewe. N'ont jamais touché. Hawajagusa mundevu za mumewe wakamwe hata. Sasa kama ni mwanaume, si c'est un homme qui aime l'intimité. Sasa kama ni mume anayependa apapaswe. Mais na toi tu vis la vie de distance. Sasa wewe unaishi maisha ya kujitenga. C'est ce que vous vivez. Ni mtindo huu mnaoishi. Les jours et les une prostituée bien formée. Siku atakutana na kahaba ambaye ana ni muhanga mu ukahaba wake. Uko wa mzuri we. Ema banaume ba hivi bangali banakuaka kwa. Voilà. Oh, sema, kama bibi yako anajisikia ka. Bibi yako anakuaka eh. Ona we. Uko na mashavu ya mzuri. Ona mabega we. Mungu we. Wakunipatia. Roho. C'est ça, trois mots. Maneno tatu tu inalewesha mwanaume. Inamulegeza. Alléluia. Amen. Faites attention. Angalisha wa mama. Les gens sont créés différemment. Watu waliumbika tofauti. Est-ce que vous m'écoutez? Je muko mnasikia vizuri. Vous avez des enfants? Muko na watoto. Ayez le temps de vous asseoir avec eux. Iweni na muda wa kuikala nao. Prie ensemble. Muombe pamoja. Faites des conseils. Muwape mashauri. Essayez de montrer ce qu'ils sont. Jaribu kuwaonyesha kile walicho. Weye Paulo, weye. Wewe Paulo, wewe. Unaona kama unakuwa na akili ya mingi. Uko na akili wewe mtoto. Uko na akili. Tu es intelligent. Tu n'as pas 60%. Mais n'est-ce pas que tu as 60%? Na ufanya ke étude. Tu fais l'étude. Na ufanya ke étude. Na et pourtant tu ne fais même pas l'étude. Mon fils. Mwanangu. Si tu fais mon fils. Mwanangu. Si tu faisais l'étude. Sasa ungejifunza. Tu peux avoir 70%. Waweza kuwa na asilimia 70. Toto atasema. Je dois amener 70 à mon père. Yabidi nilete baba cheti cha. Mais nous qu'est-ce qu'on fait? Lakini sisi tunafanya nini? Papa j'ai réussi. Baba niliweza. 60%. Makumi sita juu ya 100. Biletin. Cheti hiki. Qu'est-ce que nous faisons? Tunafanya kani nini? Bien. OK. Sawa. Weka hiyo mkabati. Weka kule mchumba yako. Munilete ile marteau mimi nenda pasula nini vitu pale. Amene mwana marteau je veux travailler quelque tu pars comme ça. Donc dans une minute on est allé dans une autre partie. Mudakika moja umeenda mweneo wengine. L'enfant s'est dit Mungu we. Maintenant l'enfant va se dire. Mimi niliwaza tanambia mon fils tu es intelligent jamais. Niliwaza baba tanitapa niambia kwamba nilikazana sasa inakuwa sasa vile sikufanya kitu. Tuko na maretare mingi. Nous sommes très en retard. Et des fois tuko tunawaza tu ni bia bazungu. Et souvent nous pensons que ça concerne le blanc. Non! Apana! Non! Apana! N'oubliez pas. Musisahau. La Bible dit. Biblia inasema. Un jour. Kwamba siku moja. Jacob, Isaac plutôt jouait avec Rebecca. Isaac alikuwa akicheza na Rebecca. Le roi le regarda au travers de la fenêtre. Kumbe mfalme alikuwa anabachungulia mudirisha. Il a dit. Akasema ce monsieur m'avait trompé que c'est sa sœur, mais non. Quelqu'un n'était pas avec sa sœur. Ali nidanganya kuwa ni dadake. Inawezekana ni bibi yake. Ce qu'il a vu, yeye aliona, lui a permis de dire non, ça c'est l'homme et la femme. Ili muhakikishia kwamba haiko dada yake leo ni wakwake. Bon, je vais demander. Bon, nitauliza. Un petit exemple. Mfano mdogo. Nana alishaka nyangula bibi yake mushambre. Qui a déjà soulevé sa femme là aux chambres? Bon, n'élevez pas les mains.
Ne levez pas les doigts. Je vais demander. Quelle femme a déjà mis son époux sur les cuisses pour les tapoter? Ne levez pas les doigts. Bon. Na bibi gani mwenye alishaka ikalisha bwanake kukwise zake amupapase papase musinue mikono lakini mukumbuke tu yenye munafanyaka kule ya ça fait combien d'années bon. Na mumesha bifanya miaka ngapi? Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Bon, on y va rapidement. Ok, tuende haraka.